vois Sarah. Tu te souviens quand tu disais que tu voulais tourner un film mais qu'on n'avait pas d'idée? Je crois que j'ai trouvé un super film. Chalon, le 9 novembre 1921. Tu viens manger? Pas faim. Depuis quand t'es brune? Chère mère, j'ai reçu ce matin ta longue lettre qui m'a fait d'autant plus plaisir que voilà déjà 12 jours que j'étais privée de vos nouvelles. Elles sont bonnes en général. C'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Pour moi, ça va à peu près comme je veux. Mais sacrebleu, j'ai eu froid hier et aujourd'hui. Voit-il pas en effet qu'hier matin, la neige se met à tomber? Pas beaucoup, heureusement. Ce matin, le temps paraissait au beau, mais en mettant le nez dehors, il faisait en fait très froid. Il y avait 4 degrés en dessous de zéro. Il paraîtrait de ce temps rafraîchi les idées. En tout cas, il refroidit brusquement les pieds, les mains et les oreilles. Ce serait bien que tu sortes. Elle a raison. Tu ne peux plus rester ici. Attends, il faut que je comprenne. Sors, s'il te plaît. Oui, elle a raison. Sors! Sors et rends-moi mon frère! Joyeux Noël! Je suis morte, tu le sais. Tu veux même faire que rester avec moi. Retourne voir les gens en vie. Tu leur manques. S'ils ne veulent pas me revoir? Ah non, on a envie, elle. Tu vois, c'était pas si dur.